je reprends aujourd'hui. Je viens de finir tous mes documents. Alors, je suis désolée. Donc aujourd'hui, donc là, je vous reprends juste maintenant. Je suis complètement canée. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai du mal à respirer. Ça se voit un peu à ma tête, en gros, que je suis pas bien. Donc là, ça y est, on a récupéré mon ancien lit. Donc c'est deux sommiers et mon matelas. Qui est beaucoup plus petit, je crois que c'est un 140 sur un 290, mais bon, ça fera l'affaire en attendant. Hein. On peut, vous voyez, hop, on peut s'asseoir, on peut bien dormir. Je sais que je dormais bien là-bas. Par contre, tout mon linge, je suis gonflée, je fais une crise d'asthme. Pardon. Donc, tout mon linge qui était à plier dessus et en bordel par terre sur ma couette de mon lit, donc je peux pas me faire mon lit, refaire mon lit. Et j'ai mes vêtements neufs à mettre au lavage et tout est mélangé parce que je vous explique, je viens. Alors je suis vraiment vraiment pas bien. Je peux pas porter d'affaires, je peux rien faire. Donc heureusement que j'avais ma gaine aujourd'hui parce que je viens de me prendre de gueule encore avec ma mère comme d'hab. De toute façon, ma mère, la bonne poire de la critique, je suis ça, son bouc émissaire. Et donc en gros, elle a pris toutes mes fringues, elle les a balancées. Donc voilà, donc là ils ont dégueulassé la maison. Donc je viens de me retaper toute la maison et il est 17h18 et je viens de me taper toute la maison. Il me reste que la chambre à finir. La chambre est repassée un coup dans les toilettes et ranger la salle de bain. Parce que du coup j'ai mis mon séchoir et ma table à repasser dans la salle de bain. Et étendre mes deux machines qu'il faut que j'étende dans la petite chambre maintenant que j'ai un peu plus de place. Et donc voilà, j'ai le bordel, j'ai ma table de nuit qui est en face de moi. Là je suis assise comme avant. Le lit, on a mis exactement le même lit au même endroit parce que tant qu'on n'a pas le nouveau lit, on peut pas. Parce qu'en fait, il faut qu'on décale tout. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Nous, ça nous fait gagner de la place en plus, donc on s'en bat les steaks hachés. Donc voilà, et là, je vais vous faire montrer comment ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà le bazar qui reste. Donc j'ai retrouvé une pompe à chaussures qui a été balancée dans le couloir. Que j'ai pas fini. En fait, c'est juste la partie. Il faut que je lave cette partie-là et les toilettes. Et après ma chambre. Ils m'ont dégueulassé, mais ils m'ont fait rentrer. Voilà merde. Donc quand on rentre dans la chambre, bah, toujours le radiateur. La table de nuit, du coup, ils l'ont posée là. Regardez le tas de fringues qui était propre, qui était juste à plier avec mon draousse. Voilà, tout ce bordel. Les paniers. Et là, tout le linge propre. Du coup, là, je suis en train de me taper à plier tout ça pour pouvoir ranger tout ça dans l'armoire, pour pouvoir remettre mon lit si ce soir je veux dormir. Et je peux vous dire que ma lampe là, ça là, ma lampe là, je pense que ça fait. Je l'ai vu tomber 7 fois aujourd'hui. En même pas 1 heure, ma pauvre petite lampe. Je pleurais, je hurlais dans la maison. Je pétais un plomb parce que c'est une lampe que j'y tiens énormément. C'est une copine qui me l'a offert. Et j'y tiens énormément. Et voilà le bordel. Donc, je peux vous dire que je suis en colère. Mais ce que je vous appelle en colère. Là, je fais une pause parce que j'en peux vraiment plus. Je viens de me taper toute la salle à manger, toute la cuisine. En plus, j'ai pété ma table de salle à manger parce que du coup, bah, il fallait bouger les meubles pour pouvoir mettre l'ancien lit dans la cuisine. Voilà. Les chiens se sont barrés. Donc, du coup, j'étais obligée de courir en chaussons sur toute la route. Donc, je suis épuisée. Je pense que là, j'ai dû perdre 10 kilos. J'ai fait 200 mètres en courant à fond pour pouvoir récupérer les chiens tout en gueulant les prénoms des chiens et tout. J'en peux plus. Je pense que ce soir ça va me faire du bien un loto. Ça me changeait les idées. Alors je sais pas ce que vous allez en penser, mais il paraît que chez moi c'est dégueulasse. Il paraît que je ne fous rien de mes journées. Il paraît que c'est crade, que c'est le bordel, naninanana, des critiques à fond la caisse. Ouais, tu pourrais ramasser tes noix qu'il y a dehors, de toute façon tu pourrais tes journées, nananinananani. Ok. Alors, je ne dirai pas à la personne, hein, certains doivent s'en douter, je ne dirai pas à la personne qui critique autant que ça, me critique autant que ça, parce que je pense qu'il y en a qui te tomberaient de haut. Donc regardez, tellement que ça m'énerve, moi j'ai des boutons de nerfs qui sortent. Et j'ai pas besoin de ça avec l'opération, j'ai pas du tout besoin de ça, je suis épuisée, je suis fatiguée. C'est que tout à l'heure, en fait, j'étais obligée d'envoyer un message à mon homme et il me dit craque pas, mais je lui fais comment tu. Regardez, comment tu veux que je craque pas? Je peux pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup sentiments, beaucoup famille, beaucoup. Beaucoup la main sur le cœur. Et en fait, on me critique, on me rabaisse plus bas que terre, alors que
Je ne suis pas ce genre de personne. Et ça, je tiens à vous le dire, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai la main sur le cœur, je pourrais aider mon pire ennemi s'il le faut. Pourquoi? Parce que on m'a appris comme ça le respect. Je regrette, je vous promets, je regrette certaines choses. Mais là, je regrette juste d'une chose, c'est de fermer ma gueule et de plus en pouvoir. Je suis au bout de mes limites, je suis complètement épuisée, voilà, je vous raconte pas tout, mais bon. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré mes chiens, j'ai laissé la baraque ouverte, je me suis barrée. Parce qu'on me laisse le portail grand ouvert. On me laisse le portail grand ouvert, on met la voiture en plein milieu. Et du coup, ben, les chiens, ils ont pas compris, parce que pour eux, en fait, quand on laisse le portail, on leur dit, on vous teste là, les chiens. On vous teste, les gamins, maintenant, c'est à vous de gérer. Vous vous barrez, vous êtes punis. Donc du coup, ben, je les ai rattrapés. Je leur ai mis une branlée, je les ai punis. Donc pour eux, la punition, c'est enfermer dans la voiture, ben, parce que je pouvais pas les enfermer dans une pièce, parce que ben, du coup, c'était le bordel. Donc sinon, quand ils sont punis, ils sont ou placés sur leur tapis et ils n'ont pas le droit de bouger, ou je les enferme dans une pièce. Donc là, je les ai enfermés 15 minutes dans la voiture avec les fenêtres ouvertes. Vexés de chez vexés, ils étaient les chiens. Je peux vous dire que... Je pense qu'ils ont bien compris. Mais le fait que ça gueulait dans la maison parce que je me prenais de gueule avec mes parents et que voilà, l'humeur qu'il y avait dans la maison, ils se sont barrés. Je pense que c'est ça. Après, je suis pas psychologue pour chien, mais je connais mon chien. Quand il fait ça, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, voilà. Ouais, je voulais vous montrer un peu certaines choses. Attends, hop. Je voulais vous montrer un peu certaines choses. Donc, je vous prends. Là. Ça y est, ça ressemble enfin à une chambre. Donc là, c'est ce qui me reste à trier et à plier. Et là, c'est le linge qui me reste à ranger. Et voilà la chambre. Donc je vous reprends juste maintenant. Je suis désolée, je viens actuellement de finir tous mes papiers de l'entreprise. Je viens de finir aussi quelques envois d'emails. Là, je suis en train de regarder mes autres emails et trier mes documents sur mon ordi. Je vais vous faire les vidéos aussi parce que bah, du coup hier j'avais pas du tout de connexion avec mon téléphone. Il n'y avait pas du tout assez de connexion. Donc vous voyez Lily qui dort. Vous voyez peut-être pas Lasco qui squatte le canapé comme d'hab. Et on a un chat dans la cour qui joue avec les doux des chats. Ce qui est très pratique, très bien. Donc je vais vous montrer, quatre choses. Donc hier j'ai pris le temps d'accrocher deux cadres. Il me reste un cadre à accrocher, mais il faut des vis spéciales comme pour mon grand cadre. Et je vais vous montrer la boîte à bonbons des bébés.